Chers téléspectateurs, les événements actuellement en cours à Hong Kong m'ont incité à vous parler aujourd'hui de la Chine du 19e siècle et plus précisément de ce que l'on appelait à l'époque le « break-up of China », le partage du gâteau chinois, quand les grandes puissances européennes, pour l'essentiel, se sont entendues pour partager l'empire mandchou en zone d'influence, pour lui imposer des concessions territoriales et des accords commerciaux léonins, car cela est important pour comprendre ce que peut être aujourd'hui la représentation que se font les Chinois de ce passé qui correspond pour eux aux heures les plus sombres de leur histoire, pour reprendre une expression bien connue. Alors Hong Kong, on le sait, c'est un bail accordé en 1898 à l'Angleterre pour une durée de 99 ans. Hong Kong a donc été rétrocédé aux Chinois à l'issue de ce bail, à l'expiration de ce bail, avec derrière tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui. Cette époque conclut en fait en 1898 la grande entreprise de partage en zone d'influence de l'Empire chinois, à un moment où celui-ci vient de subir une défaite cinglante contre le Japon, à un moment où le pouvoir mandchou est écrasé de dettes, à un moment où il doit consentir des concessions territoriales et ferroviaires, et pour couronner le tout, deux ans plus tard, en 1900, il y aura la révolte des boxeurs, le siège délégation à Pékin et l'intervention d'une expédition internationale qui va encore durcir les conditions imposées à la malheureuse Chine. Russes, anglais, français, allemands, italiens et même américains sont alors de la partie. La Chine en sort avec une souveraineté limitée, avec une dynastie mandchoue totalement impuissante. Elle a été incapable de mettre en œuvre la modernisation du pays, une modernisation du pays comparable à ce qui s'est passé au Japon quelques années plus tôt. Alors, tout cela, évidemment, augure fort mal de l'avenir d'un système qui, effectivement, sera emporté quelques années plus tard. En tout cas, en 1898, l'Angleterre récupère le territoire de Hong Kong, un territoire décuplant la superficie de la petite colonie établie dès 1842 et qui s'était agrandi en 1860 de la presqu'île de Kowloon. Processus d'ouverture forcée du pays a en fait été engagé plus d'un demi-siècle auparavant avec un épisode marquant de l'histoire chinoise, surtout du point de vue des Chinois, c'est la fameuse guerre de l'opium conclue en 1842. À cette époque, il faut voir que pour l'Occident, la Chine apparaît comme un Eldorado commercial virtuel du fait de sa très importante population. Toutes les grandes puissances rêvent de s'y tailler des marchés pour soutenir leur activité exportatrice. L'Occident est au sommet alors de sa puissance, cet Occident conquérant qui a réalisé le décloisonnement du monde à partir du 15e siècle et qui s'impose à l'ensemble de la planète en ce 19e siècle. Mais c'est une époque où l'Empire chinois demeure fermé. Le seul port ouvert aux étrangers à l'époque, c'est Canton, et encore avec des restrictions bien précises. Quelques factoreries anglaises sont acceptées, et puis il faut passer par le système du Kohong pour pouvoir commercer avec les Chinois, avec un responsable de tout cela qui est notoirement corrompu, mais c'est la condition pour pouvoir importer de Chine le thé, les soieries,
les porcelaines qui constituent les principaux produits d'exportation de l'Empire du Milieu. Alors, outre les limitations commerciales, il faut rappeler aussi que la Chine s'est complètement fermée aux étrangers, à l'Occident, au début du XVIIIe siècle. Il fut une époque où elle s'était ouverte aux jésuites, notamment, qui avaient joué un rôle important à la cour de Pékin, en tant que conseillers politiques, scientifiques. Ils y avaient joué un rôle intellectuel de tout premier plan. Mais le dernier astronome jésuite de la cour de Pékin est mort en 1805, et la dernière église catholique de Pékin a été fermée en 1827. Seuls quelques lazaristes et quelques franciscains continuent dans la clandestinité leur mission d'apostolat. La Chine s'est fermée, comme le Japon d'ailleurs s'est fermé lui aussi à peu près à la même époque face aux barbares, entre guillemets, étrangers. C'est ainsi que sont vus à ce moment les Occidentaux. Il y a des tentatives pour que cet immense empire s'ouvre de nouveau. En 1793, l'ambassade anglaise de Lord Macartney à Pékin, puis en 1816, l'ambassade de Lord Amherst également à Pékin, mais l'empereur de Chine fait comprendre qu'il n'a rien à faire de ses contacts avec les barbares, qui ignorent même les rituels de prosternation exigés à la cour de l'Empire du Milieu. En effet, la Chine, pour lui, c'est le centre du monde. Il se considère comme le suzerain de fait de tous les princes de la terre, de tous les peuples de la terre, et les relations avec les barbares lui importent peu. Son empire étant jugé autosuffisant avec ses 300 millions d'habitants en 1840, c'est déjà à l'époque, bien sûr, la première population du monde. Et une population héritière d'une civilisation millénaire qui est jugée supérieure. Bien sûr, à toutes les autres, et notamment à l'Occident barbare. Oui, mais le monde a changé en ce 19e siècle. L'Angleterre, sortie victorieuse des guerres de la Révolution et de l'Empire, s'est imposée comme la première puissance industrielle, navale, coloniale, commerciale du monde. Et il y a une logique de l'expansion là qui se met en place. Les Anglais sont installés maintenant au Cap de Bonne-Espérance, ils s'installent à Singapour en 1819, plus tard, après Aden, ils seront installés à Suez à partir de l'ouverture du canal. Ce sont les Français qui l'ont construit, mais les Anglais en récupéreront rapidement le contrôle. Donc, face à cette hégémonie britannique sur le globe, la Chine paraît évidemment bien démunie. Et les Anglais profitent d'un commerce, d'un trafic bien précis, c'est le commerce de l'opium, c'est la contrebande de l'opium importée du Bengale vers la Chine par les navires anglais. Toute la Chine du Sud est concernée, avec la complicité d'ailleurs des mandarins locaux, notoirement corrompus. Alors ce commerce est interdit par le pouvoir impérial, mais rien n'y fait, et quand la Chambre des communes ne renouvelle pas le monopole de la Compagnie des Indes, eh bien de nouvelles maisons de commerce se constituent, particulièrement dynamiques et offensives, les maisons Dent, Jardine, Matheson par exemple. Et le fait, c'est qu'entre 1820 et 25, il y a 10 000 caisses annuelles d'opium exportées vers la Chine. Entre 1830 et 1835, on passera à 35 000. Et le nombre de fumeurs augmente en conséquence avec les effets pervers que cela implique sur la population concernée. En plus, cela entraîne un déficit de la balance commerciale chinoise. L'opium en 1837 représente 57% en valeur des opérations chinoises, importations payées en argent, ce qui contribue à réduire la masse d'argent en métal disponible en Chine. Les mandarins et les lettrés encouragent de plus la xénophobie populaire contre cette présence étrangère, mais rien n'y fait, et les Anglais entendent bien maintenir ce commerce de l'opium particulièrement intéressant pour eux. En 1834, Lord Napier est nommé surintendant du commerce britannique en Chine. Il s'installe à Canton, il est remplacé ensuite par Charles Elliott, mais cette présence est
évidemment, suscite la méfiance et l'hostilité de la cour de Pékin. Et en 1839, un rescrit impérial interdit en fait le trafic de l'opium. Un fonctionnaire impérial, Lin Zexiu, est envoyé à Canton. Il arrête les trafiquants, il détruit les stocks d'opium. Et même en août 1839, il interdit purement et simplement la ville aux étrangers. La guerre devient inévitable. En novembre 1839, deux frégates britanniques dispersent la flotte du vice-roi chinois. 500 tués chez les Chinois, un blessé chez les Anglais, ça en dit long sur le rapport de force à l'époque. Et les Anglais vont même aller plus loin. Palmerston, le Premier ministre britannique, poussé par William Jardine, qui était le responsable d'une des maisons de commerce trafiquant l'opium, va envoyer en Chine une expédition de 16 navires de guerre et de 4000 soldats. Il va vendre ce projet à la Chambre des communes, malgré l'opposition du jeune Gladstone, qui dénonce là une guerre injuste et prophétise que ce sera une honte durable pour la Grande-Bretagne, mais rien n'y fait, l'opposition Tory se rallie aux initiatives de Palmerston. Gladstone reste isolé et la majorité parlementaire soutient donc cette guerre de l'opium qui va durer jusqu'en 1842. Le rapport de force est évidemment écrasant en faveur de l'Angleterre. Lin Zexiu a été rappelé à Pékin car on le juge trop prudent, mais le pauvre ne peut pas faire grand-chose. Il est remplacé par Kit Chan à Canton. Mais en fait, c'est ailleurs que va se décider le sort de la guerre, puisque la flotte anglaise se présente devant Tientsin au nord, menaçant directement Pékin. Alors finalement, il faudra bien trouver un compromis, il faudra bien négocier. Les Anglais obtiennent la cession de Hong Kong, un îlot rocheux dans le sud du pays. Ils obtiennent une indemnité pour l'opium qui a été détruit par Lin Zexiu. Leurs commerçants sont de nouveau acceptés à Canton, mais toutes ces conditions, en fait, sont inacceptables. Kit Chan, qui les avait négociées, est écarté et Palmerston veut en fait davantage. Il remplace Charles Elliot par Henry Pottinger, qui est placé à la tête des forces anglaises à la fin août 1841. Et alors là, on va plus loin, puisque les navires anglais remontent maintenant le Yangtze-Kiang, et cela jusqu'à Nankin. De ce fait, l'empereur doit désormais négocier la paix pour, dit-on à la cour de Pékin, apaiser les barbares. Alors, la remise de Hong Kong est confirmée. De plus, 5 ports vont être ouverts aux Anglais, Canton, Amoy, Fucheu, Ningpo, Ningpo et Shanghai. Dans chacun d'eux, un consul britannique sera installé. Le commerce désormais est libre pour les Anglais. Les marchands anglais qui ont perdu de l'argent du fait de la réaction chinoise face au commerce de l'opium seront indemnisés. Et en plus, les droits de douane sur les produits anglais entrant en Chine sont limités à 5%. Ce sont les accords qui sont ainsi conclus en août à Nankin. On ne parle même pas dans cet accord du trafic de l'opium qui reste évidemment autorisé et qui continue. Alors, les Américains voyant cela ne vont pas demeurer en reste. En juillet 44, eh bien, le traité de Wangya leur accorde des avantages comparables, mais les Américains, eux, condamnent cependant le trafic de l'opium. Ils ne vont pas rester seuls sur ce front-là. Le français Théodore de la Grenée, à la tête d'une mission française en octobre 1944 par le traité de Whampoa, va obtenir des avantages analogues. Et en plus, il reçoit l'autorisation pour les Français d'élever des églises, de construire des églises, d'édifier des hôpitaux, et il obtient la liberté du culte chrétien. C'est important pour la suite, parce que les persécutions menées contre les missionnaires catholiques seront ensuite un prétexte d'intervention, évidemment, en Chine.
En 1845, l'Angleterre obtient une concession d'un quartier entier à Shanghai, une concession bénéficiant d'un privilège d'extraterritorialité qui va servir de modèle ensuite pour plusieurs endroits en Chine. Donc les choses apparaissent très mal parties pour l'Empire mandchou, même si quelques obstacles semblent demeurer face aux ambitions des Occidentaux. Ces obstacles, ce sont le nationalisme de la dynastie mandchoue, mais dont les possibilités sont limitées, l'existence de sociétés secrètes nationalistes, également une situation sociale catastrophique, la multiplication des famines, la grande misère paysanne propice à toutes les révoltes, l'exaspération des lettrés, des mandarins, cette bureaucratie céleste qui méprise les barbares et supporte très mal la situation dans laquelle se retrouve la Chine, et tout cela avec un pouvoir impérial extrêmement fragile, confronté à des révoltes importantes, ainsi celle des Taipings de 1850 à 1865, qui affecte tout le bassin du Yangtze, ainsi des révoltes des marges musulmanes de l'Empire, dans le Yunnan et au Xinjiang, dans l'ouest chinois, ce qu'on appelle à l'époque le Turkestan chinois. Et puis pour aggraver tout cela, l'assassinat d'un missionnaire, le père Chapdelaine, et l'arraisonnement d'un navire anglais, l'Arro, vont engendrer une nouvelle guerre avec une expédition franco-anglaise en 1858-1860 qui va aboutir au fameux sac du palais d'été. Alors, il faut de nouveau pour les Chinois signer un traité à Tianjin, traité ratifié ensuite à Pékin. Des villes nouvelles sont ouvertes aux Européens, dont Nankin. Tout le cours du Yangtze est ouvert également au commerce. Et à ce moment-là, un nouveau prédateur apparaît à l'horizon, c'est la Russie, qui obtient de la cour de Pékin la remise de la province maritime, où va s'édifier Vladivostok, dont le nom, domination de l'Orient, est en lui-même tout un programme. Alors les Mandchous donc sont complètement vaincu. En même temps, le régime va bénéficier d'un sursis un peu inespéré parce que les interventions étrangères vont permettre d'écraser la révolte des Taipings. La Chine va-t-elle se réformer pour faire face, comme le fait le Japon ou l'a fait le Japon à peu près à la même époque? Eh bien non, le réformateur Li Yongchang n'est pas suivi. L'impératrice Cui, s'appuyant sur les forces les plus conservatrices, sur la caste mandarinale, va empêcher toute politique d'adaptation, de réforme. En fait, la dynastie paraît à terme condamnée, pour une raison aussi sans doute, si l'on prend un peu de recul, c'est que la Chine ne dispose pas d'une caste comparable à celle des samouraïs au Japon, qui a été à la pointe de la résistance contre les volontés occidentales et qui a mis en échec finalement l'exigence d'ouverture du Japon manifestée notamment par les Américains. En Chine, la caste mandarinale se tourne vers le passé, qui est appuyée sur la tradition, n'est pas en mesure de conduire le pays vers la modernité qui était la condition évidemment d'une réaction possible face aux ambitions occidentales. En plus, tout cela va s'aggraver au fil du temps, au fil des années. La dette chinoise va enfler dans des proportions considérables. Hein, et les créanciers, bien sûr, ce sont les puissances occidentales qui, à partir de là, vont avoir de nouveaux prétextes pour imposer leur volonté. À la fin du siècle, c'est la défaite complète subie face à un Japon qui, lui, en l'espace d'une génération, est passé du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et puis nous avons affaire à une Chine aussi qui doit constamment faire de nouvelles concessions à ses amis et créanciers. Hein. Cela veut dire que la péninsule du Liaotung et Port Arthur sont données aux Russes. Les Français vont bénéficier à proximité de leur Indochine de toute une zone d'influence dans le sud du pays. Les Anglais sont à Wei Aiwei. Les Allemands sont installés dans la péninsule du Shantung avec Kaohsiung
Chaowu et Tsingtao. Les Russes, on l'a dit, convoitent au nord la Mandchourie. Et puis pour aggraver tout cela, en 1900, la révolte des boxeurs, le siège des légations à Pékin, entraîne une expédition internationale qui va mettre vraiment la Chine à la merci des vainqueurs. La dynastie Mandchou, en fait, n'a plus qu'une dizaine d'années à vivre. Bientôt, elle va être emportée par une révolution républicaine qui va ouvrir pour la Chine une période de chaos, puis une période de guerre civile, puis ensuite qui débouchera sur la Seconde Guerre, mondiale, une période absolument sinistre dont la Chine ne sortira, si l'on ajoute la longue période de nuit totalitaire qu'a été le maoïsme, dont la Chine ne sortira progressivement qu'à la fin des années 1970 avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui Thomas Ferrier pour son livre « Fascisme d'Europe » paru aux éditions de la Synthèse Nationale. Mais avant d'aborder ce sujet avec lui, je voudrais signaler aux auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de venir à notre colloque consacré à Al-Andalus du mythe à l'histoire qui a eu lieu le 6 octobre dernier, qu'ils peuvent se procurer les actes du colloque en les commentant sur le site suivant, qui est le site de l'Association pour l'Histoire, a-p-h@orange.fr. Alors, venons-en maintenant au sujet de notre émission d'aujourd'hui. Thomas Ferrier, donc, vous publiez un ouvrage intitulé « Fascisme d'Europe », fascisme au pluriel. Hein. Nous allons essayer de définir au plus près cette notion de fascisme, sachant qu'il y a évidemment beaucoup de confusion autour de ce terme. On doit surtout ça d'ailleurs aux antifascistes ou ceux qui se proclament tels, qui ont tendance à avoir des fascistes partout pour alimenter leur fantasme. Le fascisme, en fait, en termes historiques, quelles sont ses origines? Ça commence quand et ça vient d'où? – Alors effectivement, la problématique du fascisme, d'abord c'est la définition. Le terme de fascisme effectivement est mis à toutes les sauces. Récemment on parle de fascisme islamique par exemple, par exemple certains souverainistes parlent d'eurofascisme pour désigner l'Union européenne. Donc c'est vraiment à toutes les sauces. Mais effectivement, le mésusage est plus à gauche qu'à droite. Mais on peut considérer que le terme est désormais passé comme toute forme un synonyme de toute forme d'autoritarisme. Il suffit que le père punisse son enfant et le père est un fasciste. Le fascisme historique, d'abord le mot fascisme ou fascisme, comme on le souhaite, ça vient du mot fesso, hein, du faccio italien. Au départ, le premier usage du terme est sans doute lié à ce qu'on appelle les fasci siciliani, donc les faisceaux siciliens qui sont de gauche et qui ont autour de 1890-1895… – Ce sont des anarchistes paysans, eux. – Voilà, surtout en Sicile, et donc qui s'organisent en faisceaux. Et le mot fascisme viendrait en fait de ce phénomène. Donc au départ, c'est un terme qui relève de la gauche. – Du vocabulaire de gauche. Voilà. – Et souvent, d'ailleurs, on verra que les partis et les mouvements fascistes vont s'inspirer de termes qui viennent de gauche. Je prends un exemple, le magazine, par exemple, enfin la Phalange, par exemple, simplement le mouvement espagnol, donc fasciste, prend racine sur donc Phalange, qui est évidemment la référence non seulement à l'Antiquité, mais aussi au magazine, par exemple, des blanquistes du 19e siècle, donc des socialistes révolutionnaires du 19e siècle. – Ah oui, les blanquistes avaient une revue, un journal intitulé ainsi. – Voilà. Ah, d'accord. C'est la Phalange. Ça c'est une chose peu connue. C'est intéressant de le signaler. Et tous les termes qui sont comme parti, ligue, tous les termes qui sont des termes de séparation ont été repris par les fascistes. Les mots comme mouvement, union sont plutôt des mots de droite. Voilà, la droite rassemble, la gauche, ostracise, si on peut dire. Donc voilà un petit peu. Historiquement, ma définition telle que je l'analyse du fascisme, c'est de considérer que c'est ce que j'appelle une révision nationaliste du socialisme. Ce sont des socialistes, mais qui se rendent compte qu'il manque une partie émotionnelle, si on peut dire, à leur démarche,
puisque le socialisme et notamment le marxisme est très, comment dire… – Se veulent scientistes. – Voilà, mmh. Et donc cette dimension mythologique, d'une certaine manière, le nationalisme va la donner au socialisme. – Et ça, c'est quelque chose qui nous vient peut-être, pour une part, de Georges Sorel. Alors, évidemment, il y a le cas de Georges Sorel qui a été évoqué par Sternel notamment et d'autres comme un des pères fondateurs matriciels au niveau intellectuel du fascisme, mais Sorel n'est qu'un parmi tant d'autres. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le terme de fascisme, je fais partie de ceux qui mettent le national-socialisme dans le fascisme, ce qui n'est pas forcément accepté par tous. Parce qu'il y a toute une, comment dire, une école qui considère que le national-socialisme est très différent, et moi je pense que non. Mais dans ses origines, il y a pourtant cette volonté de réconcilier le nationalisme et le socialisme. Absolument. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le fondateur du national-socialisme est un Autrichien qui s'appelle Walter Ril, donc au début du XXe siècle. Et Walter Ril, c'est un ancien socialiste, c'est un ancien membre des socialistes autrichiens, et qui va devenir nationaliste. Et c'est un des pères fondateurs. Alors, en Autriche, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que le mouvement socialiste va se scinder en fonction des nationalités. C'est-à-dire qu'il y a le nationalisme tchèque qui commence à émerger, et donc il y a un socialisme national, démocrate, tchèque, qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est les partis qui s'en réclament, et par réaction, les Allemands, donc les Autrichiens, vont créer leur propre socialisme national, sauf que celui-ci va se teinter de rejet des Slaves, et assez rapidement d'antisémitisme. – Et ça c'est un phénomène antérieur à la guerre de 14 ?– C'est antérieur à la guerre de 14, ça commence dès la fin du 19e siècle. – D'accord, alors justement… On va revenir sur la période antérieure à 14 parce qu'il y a une théorie ou une thèse bien connue. Vous avez évoqué Zev Sternel tout à l'heure et son ouvrage La droite révolutionnaire qui voudrait que les origines du fascisme, il faut les chercher en France où se serait développé une sorte de proto-fascisme d'avant-guerre dans lequel il mélange à la fois l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus et de Drummond, le nationalisme de Barrès, les syndicats jaunes. Que pensez-vous de cette analyse de Zev Sternel qui fait l'objet de débats quant aux origines du fascisme ? Alors effectivement, moi j'ai lu l'ensemble des trois ouvrages qui, en tout cas clés, c'est-à-dire Maurice Barrès et le nationalisme français, ensuite il y a les origines françaises du fascisme et puis ni droite ni gauche. Donc autant ni droite ni gauche, le dernier, donc, qui parle de la période postérieure à la guerre, me paraît assez confus parce que ça mêle des choses qui sont très différentes. Et d'une certaine manière, on a l'impression d'avoir un pan-fascisme, c'est-à-dire tout est fasciste. – Oui, c'est ça. Oui. – Voilà. Alors, autant avant-guerre, ça se défend. C'est-à-dire que l'idée que c'est la France qui est la motrice, non. C'est-à-dire que c'est un phénomène européen, donc il est né partout en Europe. Il a des racines qui sont composites, même en Russie, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier, notamment, tout ce qu'on appelle le syndicalisme caporalisé ou le socialisme caporalisé, donc… c'est Zubatov, Sergei Zubatov, qui est donc un agent du tsar, qui avait créé une forme de socialisme national en Russie, pour récupérer les ouvriers, les détourner du marxisme. – Contrer le socialisme marxiste des mencheviks ou des bolcheviks, d'accord. – Il y a même une forme de dimension socialiste dans le mouvement pourtant le plus réactionnaire dans l'image que peuvent avoir les gens, qui s'appelle les Centuries Noires. – Les Centuries Noires, bien sûr. – L'Union du peuple russe, qui d'ailleurs a des liens avec le national-socialisme, puisque ce sont des réfugiés de l'UPR qui étaient en Bavière, aux alentours des années 1918-1919, et qui ont aidé, y compris financièrement, le parti nazi à émerger. – Ah, qui ont aidé ensuite le parti nazi allemand alors ?– Absolument. – Ah oui, c'est ça. – Ce qui est paradoxal quand on sait la russophobie que le régime hitlérien fera ensuite preuve. – L'hostilité de Hitler face aux Slaves, le racisme antislave de Hitler. – Tout à fait, notamment c'est un homme qu'on appelle Markov II, parce qu'il y a deux Markov, il y a Nikolai Markov je crois, puis un autre qui sont donc des fondateurs de cette union du peuple russe, et qui disait explicitement que le national-socialisme allemand était l'héritier des Centuries Noires. – Alors donc, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de soupe primitive antérieure au Big Bang du fascisme qui s'installe dès avant la guerre de 14. Voilà. Cela dit, il y a quand même un élément qu'il faut rappeler, c'est que le fascisme est quand même un produit de la guerre. Sans la guerre mondiale, on peut penser qu'il n'aurait pas pris les formes qui ont été les siennes. Oui. Et puis derrière, le modèle à la fois humain et social que va
cherché à promouvoir le fascisme, insistant sur les vertus d'héroïsme, de discipline, d'autorité, l'organisation paramilitaire des différents partis fascistes. Tout ça, c'est quand même, dans une large mesure, le produit de la guerre mondiale. – Oui, mais comme le communisme russe, d'ailleurs. – C'est ce qui fragilise un peu la thèse de Sternel, d'ailleurs, qui voit déjà du fascisme en France avant 14. C'est-à-dire que, il va peut-être un peu trop loin. – Alors, on peut penser qu'il y a une forme de fascisme et de communisme pré-1914 qui existe. Mmh. Maintenant, effectivement, l'histoire, c'est le fait des hommes qui vont la marquer, et les hommes qui vont créer les fascismes des années 20 et des années 30 sont des gens qui ont fait la guerre. Voilà. Effectivement, qui sont… Alors, il y a la fameuse thèse de Mossé qui s'appelait donc la brutalisation des masses européennes. Oui. Mmh. Et c'est évidemment le cas. C'est-à-dire que le fascisme, s'il n'avait pas eu ce matériel humain et technique, d'une certaine manière, qui est lié à la guerre, donc c'est tous ces gueules cassées, tous ces gens qui ont été brisés par une guerre où, au final, on se rend bien compte qu'elle n'avait pas vraiment de sens, eh bien, ils vont être comme la munition humaine du fascisme. – Et puis la guerre a créé aussi une accoutumance à la violence, explique aussi la banalisation de la violence qui a été portée par les différentes formes de fascisme. – Oui, le paradoxe, c'est qu'on pourrait imaginer, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, un fascisme démocratique. Oui, alors ça c'est un point de vue effectivement, je crois, tout à fait original et intéressant, c'est-à-dire un fascisme qui n'aurait pas hérité de tout ce qui a accompagné la guerre de 14 et qui a profondément transformé évidemment les sociétés européennes. Oui, parce qu'en fait, l'idée qu'on a du fascisme, c'est, on imagine que c'est un mouvement de droite dure, d'extrême droite. Parce qu'on oublie d'avoir les origines des fondateurs. Eh ben oui. Non seulement Mussolini, mais même Hitler, d'ailleurs, qui aurait été très brièvement, à gauche. Oui, et puis les expériences, expériences françaises, là, sont quand même tout à fait révélatrices. Y compris avant-guerre, parce qu'on parlait de Maurice Barrès, et je voulais en parler un petit peu. Maurice Barrès a utilisé le terme de national-socialisme. National-socialisme, voilà. comme candidat aux élections. À Nancy, d'ailleurs, chez moi, à Nancy. À Nancy, tout à fait. Ouais. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'il a également demandé, mais il n'a pas eu, à un moment donné, l'étiquette socialiste de Jaurès. Donc, le Barrès, d'après la guerre de 14, justement, d'ailleurs, lui devient, c'est ça qui est étonnant, c'est que lui, qui, de cette manière, était presque proto-fasciste, devient un homme de droite conservatrice. Oui, il devient l'homme du bloc national, après la guerre. Donc, c'est le paradoxe des choses. Il y a d'autres thèses qui sont intéressantes, notamment, il y a l'ouvrage de Marc Crapez, qui s'appelle La gauche réactionnaire, Mythe de la race et de la plèbe, où lui enracine, finalement, les idées racialistes, nationalistes, identitaires de l'époque, avec la gauche. Mais effectivement, on a toutes sortes d'ouvrages aussi sur l'antisémitisme de gauche. C'est intéressant d'ailleurs à remarquer, et on peut regretter que le travail de Marc Crapez n'a pas eu la même audience que le travail de Joseph Sternel et de son travail sur la droite révolutionnaire. Le titre d'ailleurs fait pendant. Il y a un lien entre les deux. Il n'est pas innocent. Mais Marc Crapez n'a pas eu le même écho, certainement dans. L'historiographie du fascisme. Il dérange plus, parce que justement, il le met dans. Mais il y a l'ouvrage, je crois que c'est Le Moal, là, qui est sorti, Histoire du fascisme, récemment chez Perrin, qui revient justement à cette dimension socialiste. Il y a de nouveaux ouvrages de Frédéric Le Moal, d'ailleurs, que j'encourage nos téléspectateurs à lire ses livres, que nous avons reçus à plusieurs reprises d'ailleurs dans notre émission, parce que je crois qu'il apporte une vision, effectivement, renouvelée, un peu comme vous le faites vous-même, de l'histoire du fascisme. Absolument, alors, dans le cas italien, mais c'est intéressant aussi de voir, par exemple, un ouvrage récemment qui est sorti sur les idées religieuses de Mussolini, socialiste, sur un deuxième volume, Mussolini fasciste, mais c'est très intéressant puisqu'on voit toute la dimension athée, paganisante d'ailleurs, de Mussolini. Avant qu'il soit au pouvoir, évidemment. C'est ça. Et puis ensuite, pour ce qui concerne les relations avec la religion, il est avant tout pragmatique pour signer les accords du Latran, parce qu'en Italie, il vaut mieux avoir une église au minimum neutre, si possible favorable au régime en place. L'objectif du régime fasciste, ça va être d'écarter progressivement l'église de tout, mais c'est un processus extrêmement complexe. De longue durée, dans un pays aussi imprégné, évidemment, de culture catholique. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a un autre auteur qui était, j'en parle pas d'ailleurs beaucoup dans mon livre, mais finalement c'est qui est essentiel quand même pour comprendre ça, c'est Nietzsche.
Oui. Parce que Nietzsche était antisocialiste, hein, il a écrit des choses très très dures contre le socialisme, tous les mouvements plébéiens d'ailleurs de manière générale. Il y a un côté aristocratique qui fait que Nietzsche ne se serait certainement pas reconnu dans le fascisme historique, ça il y a peu de doute là-dessus. Mais il apporte, comment dire, une clé de lecture du monde qui… Il aurait été une composante de la révolution conservatrice allemande. C'est l'anti-Marx, et c'est un contre-Marx plus d'ailleurs qu'un anti-Marx, et d'une certaine manière, c'est pas étonnant que les fascistes et nationaux-socialistes se soient inspirés. Il y a un geste fort entre Hitler et Mussolini d'ailleurs qui est intéressant parce que Mussolini offre les œuvres, je crois, je veux dire une bêtise, j'inverse peut-être les choses, mais je crois qu'il offre les œuvres de Machiavel en allemand et qu'Hitler lui offre les œuvres de Nietzsche en italien ou quelque chose comme ça. Oui, ils se font un cadeau comme ça. C'est un épisode connu effectivement. Voilà, et c'est pas hasard. Cet échange. Et d'ailleurs, ça a été comment dire, compter comme une charge contre Nietzsche. Vous voyez bien que Nietzsche, c'est en quelque sorte celui qui prépare la voie, à Hitler, alors que les choses sont beaucoup plus complexes. Déjà, simplement parce que Nietzsche fustige complètement l'antisémitisme de son époque. Oui, tout à fait. Y compris chez sa propre sœur et chez Wagner. Donc avec une thèse complexe, hein, puisqu'il y a un de ses amis qui dit que le fondement de l'antichristianisme de Nietzsche est essentiellement antisémite. Je crois que c'est Franz Overbeck qui dit ça. Donc la complexité. En fait, Nietzsche est extrêmement complexe puisqu'à la fois il est un peu comme Voltaire, d'ailleurs extrêmement hostile aux Juifs de l'Antiquité, qu'il va attaquer pour mieux attaquer le christianisme, mais en même temps il est beaucoup plus favorable aux Juifs de son époque. Et au point de dire qu'il faut fusiller tous les antisémites, mais il disait ça au bord de la folie. Oui, et puis Nietzsche, évidemment, il faut toujours être prudent quand on interprète ses écrits. Oui, il y a multiples facettes. Il y a des fulgurances tout à fait spectaculaires, et puis en même temps, il y a des choses qui sont plus discutables quand il s'agit de les interpréter correctement. C'est compliqué, effectivement. C'est compliqué. Alors, le fascisme, donc, pour vous, c'est une forme de socialisme national, mais une fois au pouvoir, les fascistes s'en sont pris quand même au socialisme, à la social-démocratie, au communisme dans ses diverses variantes, bien sûr. Oui, alors c'est le paradoxe, mais c'est un peu entre frères, entre cousins, se déchirer beaucoup plus qu'avec les adversaires identifiés. Personne ne reproche à la social-démocratie d'accepter le patronat et de travailler avec les forces existantes. Donc on ne peut pas nous reprocher au fascisme ce qu'on ne reproche pas aux social-démocraties. Le social-démocrate, c'est un socialiste qui met de l'eau dans son vin. Donc ce que vont faire les fascistes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire pour arriver au pouvoir. Le principe de Machiavel, il n'y a pas de bon chemin, il y a juste un chemin. Et ce chemin, bah, c'est de rassurer la droite. C'est une révolution de gauche qui passe par la droite. C'est un peu compliqué, mais c'est… Il faut se mettre la Confindustria italienne dans la poche. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, les communistes et les fascistes se détestent. Ils se détestent parce qu'ils viennent de la même matrice, mais… Il y a la dimension nationale. Il y a la dimension nationale. L'internationalisme bolchevique est insupportable. Voilà, absolument. Pour les il y a cette dimension-là, et donc l'idée, c'est de se dire on va être le rempart stratégique de la droite contre les excès du communisme. C'est une révolution plus complexe, c'est-à-dire au lieu de dire on va faire une révolution en face, on fait une révolution de contournement. Donc ça amène effectivement à s'allier tactiquement avec la droite, mais tout en ayant bien en tête de s'en débarrasser à l'arrivée. – Et c'est ce qu'on veut faire quand se constitue, bien tard, la République sociale italienne en 1943. – Dégager de toute contingence historique, ils tentent des nationalisations d'entreprises. Voilà, la grande surprise, c'est que le patronat et les communistes s'allient pour empêcher la nationalisation des entreprises. C'est assez étrange que les communistes fassent ça. Il y a un article de Nobécourt dans Le Monde des années 80 ou 70, j'ai pas la référence précise en tête, de Jacques Nobécourt, où il dit que Mussolini voulait faire hériter le Parti Socialiste Italien, ce qu'on appelle le Parti Socialiste d'Unité Italienne, des réformes sociales qu'il avait entreprises sous la République de Salo. Donc je cite aussi que José Antonio Primo de Rivera, à un moment donné, imagine que le socialiste Telesio Interlandi peut représenter le chef fasciste attendu.
Donc il va penser que c'est à gauche qu'il faut trouver le… – Alors, les choses sont quand même variables d'un pays à l'autre aussi, parce que l'une des traits caractéristiques des fascismes, c'est leur extrême diversité. Quand vous avez, nous avions ici il y a quelque temps, Yves Morel pour son Codre à nous, le cas de la Roumanie, là évidemment, est différent. On est davantage dans un nationalisme mystique, tout à fait traditionnaliste, réactionnaire. – Oui, il y a quelques exceptions. Effectivement, à ma thèse, c'est Codre à nous, parce qu'il y a un contexte, il y a une mystique religieuse chez Codre à nous qui converge pas du tout avec les autres fascismes, qui ont plutôt une base, on va dire, athée paganisante, avec des nuances. Après, évidemment, il y a aussi De Grelle, tout simplement, qui marque aussi ce côté très catholique. – Alors oui, là, De Grelle aussi, c'est un peu une inconnue, parce que il n'a pas formuler un projet idéologique fasciste cohérent, complet. Il est dans l'action, il est dans l'action politique, il est contre le parlementarisme belge évidemment, contre les communistes, mais on a l'impression qu'on a davantage affaire à un homme d'action porté par une dynamique nationaliste bien sûr, mais sans qu'il y ait derrière une doctrine solidement constituée. – Absolument, d'ailleurs je l'évoque assez peu, Henri Demant par exemple, un des chefs socialistes du Parti ouvrier belge de l'époque, et qui va être collaborationniste par la suite, représente plus le fasciste type. Oui. Que De Grelle. De Grelle est un logiciel de départ qui est de droite catholique et conservatrice, mais sa dérive va être très rapide. Et on voit bien à la fin de l'épisode fasciste nazi, on voit bien qu'il est quasiment rallié à l'idéologie national-socialiste. Donc et son catholicisme aurait certainement du mal à y survivre. Oui, alors il est, je crois qu'il y a une fascination pour le personnage de Hitler, il y a une fascination, je dirais, pour le national-socialisme qui est en grande partie, je dirais, esthétique, pratiquement, dans le cas de Grelle. Et puis tout ça, dans la dynamique de l'action, de l'épopée du Front de l'Est, etc. etc. Après, mal à le caser dans le fascisme au sens précis, parce que c'est pas un idéologue, convenu. Ou convenu du terme. C'est pas un idéologue déjà. C'est pas un idéologue, tout à fait. Et il est en train de devenir après-guerre, évidemment avec une mythologie, parce qu'il ne parlait pas allemand, Hitler ne parlait qu'allemand. On a l'impression en lisant De Grelle qu'il le voyait tous les jours, alors qu'il l'a vu trois fois dans sa vie. Donc ça nuance beaucoup l'apport historique du personnage peut nous apporter. Le principe, si j'avais dû avoir un fils, on est dans un projet politique qui est simplement de maintenir une mythologie, une légende après la guerre. Et donc on est très loin, effectivement, de. Voilà. Du fascisme historique. Fascisme historique. Alors, ce fascisme historique, une des grandes questions qui est souvent soulevée, c'est sa présence en France. Nous avons parlé du proto-fascisme d'avant 1914, mais durant l'entre-deux-guerres, il y a des fascismes français, ou présentés comme tels, c'était le fameux ouvrage de Plumienne et la Sierra au début des années 60. Y a-t-il, dans ces diverses expériences, parce que là on mélange un peu tout, on y met les croix de feu du colonel de la Roque, on y met Georges Valois, qui est quand même très, très isolé, on y met les néo-socialistes tels que Marcel Déa, quel est votre sentiment sur l'existence d'un fascisme français durant ces années 30 ?– Je pense qu'il y a ce que j'appelle moi le syndrome de Fresnes, du nom de la fameuse prison de Fresnes, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les prisons les collaborateurs réactionnaires et les collaborationnistes révolutionnaires dans les mêmes cellules. Donc il y a une espèce d'association mentale entre deux courants qui sont en réalité tout à fait différents, voire même opposés sur bien des points, mais qui partagent l'hostilité du système en place. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du cas français, il y a eu un moment de mouvement fasciste, un foisonnement, mais sans chef. C'est-à-dire que le problème, c'est que chacun apportait sa petite pierre, mais dans son coin. Donc il est évident, par exemple, Marcel Bucard. Bucard, c'est celui qui correspond peut-être le plus au prototype du fascisme tel qu'on peut l'imaginer. Là où il fait une synthèse de socialisme et de nationalisme original, c'est qu'il arrive à associer la Commune de Paris avec Jeanne d'Arc. Voilà. C'est le premier à faire cette synthèse-là, et certains historiens pensent que le côté national-socialiste, entre guillemets, français, ça serait ça.
Ce serait le mélange de Jeanne d'Arc et, voilà, et des communards. Ce qui est sûr derrière, c'est qu'il n'y a pas que Bucard. Intéressant, Georges Valois effectivement est intéressant, ça durera quelques années seulement, mais le faisceau oui, et puis c'est un mouvement dominant intellectuel quand même, qui n'a pas une base sociale forte. Absolument. Après il y a par exemple quelqu'un qui était très hostile à la guerre, qui était extrêmement hostile à la guerre, et son nom m'échappe subitement, qui notamment est le premier à avoir voulu que Pétain arrive au pouvoir d'ailleurs. Un anarchiste anti-guerre à mort et puis qui est devenu fasciste, son nom m'échappe complètement. Gustave Hervé. Voilà, Gustave Hervé est un beau modèle de fasciste aussi. Qui venait de l'extrême gauche avant 14 et qui s'était rallié à l'été 14 à l'Union sacrée. Mais il y a des choses extraordinaires. Je crois qu'il y a un des socialistes du 19e siècle qui vit encore un peu au début du 20e siècle, c'est Jean Alman. Jean Alman rejoint le Parti Socialiste National de Gustave Hervé. Donc on voit des anciens socialistes du 19e siècle se rallier à un moment explicitement fasciste. Donc c'est, ça va dans le sens de ce que je... Il faut rappeler aussi que le nombre de socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Alors le paradoxe, c'est que beaucoup auraient voté pour en plus si Laval n'était pas celui qui avait présenté le projet. Voilà, c'est ça. On dit souvent, regardez, les 80 socialistes ont résisté. Et certains même étaient plus radicaux en réalité, avaient plus de pouvoir à Pétain que ça. Non, mais par exemple, Marcel Déat, c'est difficile. On peut considérer que il y a un caractère fasciste chez Déat, même dans les années 30, parce que à partir du moment où il met socialiste, ordre, nation, c'était le slogan des néo-socialistes. Tout en se revendiquant de Jean Jaurès, on est sur un socialisme national, mais là, justement, socialisme national démocrate, qui ne vient devenir totalitaire qu'avec la défaite et l'occupation. Donc là, d'une certaine manière, on voit l'impact aussi de la Seconde Guerre mondiale dans le virage de certains. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être brutalisés, si on peut dire, par la guerre de 14, qui vont devenir fascistes, et il y a ceux qui sont dans la défaite et qui très rapidement se convertissent aussi avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il n'y a, il faut pas aussi insister sur un point, c'est que la France de l'entre-deux-guerres n'a pas subi les convulsions, les chocs de pays tels que l'Allemagne ou l'Italie. C'est une France qui a été victorieuse, même s'il y a beaucoup à dire sur cette victoire de 1918. Ça ne crée pas tout ça un terrain favorable à l'essor d'une contestation aussi radicale, à caractère révolutionnaire, comme la contestation fasciste. – Il n'y a qu'un exemple de fasciste qui pouvait peut-être pas réussir, mais qui a pesé, c'est Doriot. – C'est Doriot, oui. – Voilà, mais Doriot, très brièvement. Le problème du fascisme français, c'est effectivement, d'abord, c'est qu'il n'y a pas d'ambition territoriale de la France républicaine. Elle a son empire colonial pour l'occuper et dépenser des millions d'euros dans le tonneau des Danaïdes. Donc, ce qui empêche d'ailleurs d'avoir un armement militaire qui sera finalement au niveau en 40. Et l'argent perdu, il n'est pas investi là où il faut. Et donc, effectivement, à part Doriot qui a représenté une forme de fascisme français très dynamique pendant 2 ans, puis ensuite ça s'est effondré avec les prémices de la guerre, il n'y a pas d'autre exemple, effectivement. Merci beaucoup Thomas Ferrier pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fascisme d'Europe, origine, idéologie, histoire, aux éditions Synthèse Nationale. Merci. Merci.